Ouais, j'ai essayé de m'exercer un petit peu à l'anglais, mais c'est pas gagné l'affaire. Ouais, 73, Yannick, il y a un petit 33. Ah, mais ils sont essayés, hein. Bah, effectivement, tu as toujours le code Q, hein. QSL, QAX, bon, il faut le connaître par cœur après, hein. Non, mais ça passe fort, hein. C'était impressionnant. Putain oui, mais on dirait que t'es assis, les 73, 51 en fait. Oh putain, pendant que je te tiens, le dernier coup tu m'avais dit que tu m'as mis un message, tu avais répondu à un OM là sur YouTube, mais tes messages j'arrive pas à les voir. T'es identifié comment sur YouTube? Écoute, de tête, je crois que c'est Yann33, il me semble, hein. Pourtant, ouais, il m'a. Oui, moi je me suis relu, tout ça, voilà. Mais bon, peut-être que t'as pas lu sur la bonne vidéo, je sais pas. D'ailleurs, je me rappelle même ce qu'il demandait, l'OM. Ah oui, il demandait la distance qu'il y avait entre nous quand on parlait ensemble, voilà. Donc je lui avais répondu ça. Cette vidéo-là, exactement. Et curieusement, je sais pas, il y a. Curieusement, j'arrive pas, je vois pas tes réponses. C'est. Ok, d'accord, je taperai donc Yann33 et je verrai bien ce que ça me donne comme résultat, parce que je n'ai pas compris là sur le coup. Et je crois que ça fait la deuxième fois que tu mets un message que je vois pas, quoi. Et j'ai beau regarder dans le j'ai fouillé dans ce qui pourrait être pris comme spam ou un truc comme ça, je ne vois rien dedans. C'est pour ça que je me suis dit, putain, mais le prochain coup que j'ai là en fréquent, il faut que j'y pense. Il faut que je lui demande que je comprenne pourquoi je vois pas tes messages, quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre, hein, puisque moi, je suis revenu sur ta vidéo, j'ai retrouvé mes messages, voilà, c'est encore un coup des Russes, hachis. Ouais, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, là. Bon, après, il faut dire que le jour de la Saint-Valentin, j'ai attrapé le petit virus, pas celui informatique que l'autre, hein, donc pendant 10 jours, bah, j'étais pas sur les ondes, en tout cas en mobile. Voilà, pour ça, puis sinon, oui, bah, pour te tenir au courant, oui, je t'avais dit que j'avais remis le Lincoln en fixe. Oui, je m'étais acheté un petit CRT Alpha, là, un nouveau poste de CRT, CRT Alpha, 4 watts, et bon, je l'avais un petit peu, on va dire, voilà, avec ce que tu sais, un petit tampon, hein, d'ailleurs, que j'ai mis sur le bon coin. Voilà, appareil très difficile, BF, enfin, microgain très, très, très bas. J'avais même, alors, le Astatic, j'en voulais pas, c'est pour ça que tu m'entendais pas sur ta vidéo, ouais, tout ce que tu avais enregistré, tout ça. Du coup, ben, j'ai revendu le CRT Alpha. Pas très cher, le tampon est en vente, et du coup je me suis mis un président McKinley, voilà, je me suis tâté à reprendre un Lincoln, je dis bon, le McKinley il a une belle gueule, apparemment il est bien noté, donc le McKinley est à la maison, et là j'ai remis le Lincoln dans le mobile, voilà, tu sais tout. Ok, d'accord, au fait là je suis en train de faire une petite vidéo, parce que là c'est vrai qu'en ce moment les QSO locaux c'est coton. C'est les stations préfèrent être sur les sup. Quoique il y a la propague, il y a tout ça, évidemment, ceci peut expliquer cela. Hein, ok, d'accord. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop. J'ai des horaires un peu bizarres. Là où j'étais, où tu m'attrapais à chaque fois la débouche le matin, et bien en ce moment, j'y vais plus. Je suis sur un autre site, et bien toujours dans les environs là de attends que je dépasse, voilà, toujours sur un autre site, toujours sur Mérignac, mais là ce coup-ci c'est en journée, c'est alors c'est pas évident pour pouvoir tomber, là c'est vraiment le coup du hasard. Alors il y a un double hasard, parce qu'en principe les Français n'aiment pas trop venir sur ce canal parce que c'est la foire. Alors entre, mais pour ma part, toi, entre écouter la foire ou écouter les QRM sur le 19, eh ben le choix est vite fait. Et pourtant, énormément de stations pestent ce canal comme le attends, je ferme les fenêtres, comme le 5 sup, pareil en AM avec les Italiens. Et là, justement, c'est justement là que je te trouve, Hachi. Ah voilà, ça passe fort derrière, bon, ça c'est au-dessus. Ouais, je pense qu'on va rouler dans la même direction, c'est-à-dire de Mérignac vers Paris. Voilà, moi je m'approche gentiment de la sortie 7, hein, et j'étais à 59 plus 30, hein, donc je pense que soit tu n'es pas loin devant, ou derrière.
Ouais, bah écoute, pour être franc, je t'ai trouvé vraiment par hasard parce que, bon, tu sais, moi, mon deal, on en avait parlé. J'ai bah oui, c'est le hasard, voilà. C'est ça, Sibi. Bon, par contre, elle est d'une part calée pour très peu de canaux, hein, peut-être 40, une quarantaine de canaux, avec un ROS très bas. Et effectivement, j'évite, moi, de parler sur le 555 en BLU parce que là, j'ai 2-4, 2-5, 2-6 de ROS, donc je fais juste de la réception. Et justement, je me suis dit, tiens, sur le 19, bon, elle est bien réglée, elle a un 5, un 6, et je me suis dit, je vais descendre dans les canaux pour voir si elle peut descendre à 1.1 de ROS. Et sur le 6, là, je t'ai entendu appeler en anglais, j'ai reconnu ta voix. Donc, je t'ai vraiment trouvé par hasard. Bon, des fois, je scanne, hein. Des fois, je lance le scan, mais là, c'était vraiment un hasard. Voilà. Et là, tu vois, j'ai 1.4. Je pense qu'elle est même réglée pour encore plus bas. Il faudrait que je vois s'il y a un petit réglage à faire. J'ai pas encore écrit à la marque Président. Bon, après, je dois reconnaître, tu sais, j'ai une voiture avec un toit en verre, un panoramique. Donc, il n'y a pas beaucoup de métal, donc je pense que ça vient surtout de là. Voilà, bah, Rémi, ben, retour micro. Ok, je dois être derrière. Putain, mais tu m'arrives à plus 30, hein, là, sur le Lincoln. Si j'ai bien vu, ça doit être ça, ça doit être à fond, hein. J'ai pas mis mes lunettes parce que bon, c'est les lunettes pour voir de près que j'ai. Alors pour rouler, c'est pas top. Mais j'ai vu le Hersmet qui avait l'air d'être à fond. Et alors toi, le gag, c'est que je me suis dit, là, en venant sur le canal 6 comme ça, en essayant de leur envoyer le bonjour en anglais, j'avais peu de chance de tomber sur une station locale. Excellent, j'adore quand ça se passe comme ça. Ouais, affirmatif, ben, c'est des années, hein. Tu vois, moi c'est pareil, je ne m'attendais pas à tomber. D'ailleurs, je me posais des questions, je me suis dit, il n'y a plus personne là, est-ce que j'ai bien refait les branchements? Est-ce que mon antenne n'a pas un problème? Bon, je l'aurais vu par rapport au ROS, mais voilà, depuis que j'ai remodifié mon installation, là, tu es le premier que j'ai. Hein. J'ai même pas eu Philippe sur Mérignac, j'ai même pas eu l'OM, là, je crois que, je ne sais plus comment tu l'appelais, là, qui était du côté du pro, de mon pro, de la maison rouge que j'avais une fois, tu vois, je lance régulièrement appel. C'est le premier, hein, depuis plusieurs semaines que j'entends en AM. Voilà. Je dis bien AM. Bon, bah, le hasard fait bien les choses. Bah, écoute, voilà, si tu veux me localiser, je vais juste quitter la rocade à hauteur de la 47 et j'arrive au niveau du feu en haut là. Ok, d'accord. J'ai pas de sortie à te désigner là sous la main. Zut, parce que bon, la zone de chantier elle est longue. Ah, j'aperçois le panneau à ma droite, la sortie 7. D'accord, ah ben oui, on était vraiment prêts quoi. Puis en plus de ça, il y a les tontons derrière. Quoique, avec les Américains, vu comment ils passent, pour faire du local, il y a tellement ce qu'il faut derrière pour pousser. Ouais, c'est clair, ben, deux solutions, hein. Faut avoir ce qu'ils font, ou comme nous, être à côté. Voilà, mais je suis encore au feu, moi, voilà, si tu vois le panneau sur 17, moi sur ta droite, là, je suis au feu, qui va bientôt passer au vert, et donc je vais passer sur le pont au-dessus de toi. Ok, un véhicule blanc, c'est ça? Ouais, affirmatif, voilà, tu vois, je suis en train de tourner un petit casse-caille, ben, j'ai un fourgon hein, qui va me cacher la vue, non, c'est bon. Voilà, ben là, je suis pile poil sur le pont. Ok, d'accord. Bah t'es soit devant, soit derrière. Et si tu vois un Duster blanc sur ta gauche, tu as le chiffre 2. Je suis un petit peu plus en arrière. Attends, voilà, j'arrive. J'arrive à la hauteur du chiffre 2. Là, de suite maintenant. Regarde, je mets la main là, je te salue. Si c'est moi que tu vois avec une main devant, c'est moi. Ah, ça a été très furtif. Hein. Ça a été très rapide, oui. Ouais, ok, ben j'avais une femme à côté de moi, elle a dû se demander pourquoi je lui faisais des grands signes. Ah ben tiens, tu vois, je vois dans le rétro, je vois un mec derrière moi qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Je pense qu'il a dû comprendre ce que je suis en train de faire. Ils disent, bah, ça existe encore. Ah ben tu sais, alors, je sais pas si c'est toi, mais en tout cas j'ai lu la publication, je crois que c'était sur Twitter, parce que si le faux c'est toi, un article belge là sur le grand retour de la CB. Oui, c'est moi. Et les magasins faisaient des ventes extraordinaires.
Oui, alors c'est une capture d'écran que j'ai fait d'un truc qui a été partagé sur VK. Alors c'est toute une histoire ça. Alors ce partage qui a été fait sur VK, c'est le réseau social russe hein, comme Facebook, vient d'un partage qui a été fait sur Facebook. Alors sur Facebook, je ne l'ai pas vu. Sur VK, je l'ai vu, je l'ai attrapé, j'ai joué les opportunistes pour partager aussi de mon côté. Et oui, j'ai éclaboussé partout. Ouais. Ah ok, ok, mais écoute, non, je l'ai lu avec intérêt et tu vois, il suffit que les gens, voilà, sans être survivalistes, tu vois, il y a eu des attaques internet, il peut y avoir des attaques sur le télécom, et ben quoi, qu'est-ce que font les gens, ils en reviennent à l'ancienne, hein, un petit peu d'électricité et une antenne, et puis ça permet de communiquer. En plus, s'il y a de la propague, on peut aller très très loin, bon, c'est aléatoire, hein, c'est pas comme le téléphone, tu tomberas pas toujours sur la personne voulue, mais au moins ça permet de communiquer, ben tu vois, il suffit d'un... Oh la vache! C'est ça, comme on dit toujours, on sait jamais, ça peut servir. Quand tu vois ce qui est arrivé, même en France, à des milliers d'internautes, ils ont eu des problèmes. Il y a eu pas mal de... au pro, on nous a demandé de changer tous les mots de passe et tout, donc un jour, s'il faut, les pylônes, je dis pas pour être bombardés, mais au moins hackés, les antennes, tout ça, les serveurs, et on aura quand même... Hey, Dabo, you still there? Hey, Dabo, you still there? Hey, Dabo, you still there? Ok, passe là, t'as les Américains qui te sont. Ouais, j'ai globalement tout compris. Hein. Passe sur le canal 3. Le canal 3. C'est parti. Ok, voilà, je suis là. Ouais, parce que alors là, le 5, c'était moustaché à fond. Le 4, c'était moustaché. Le 3, là, ça va. Ouais, non, mais j'ai globalement tout compris quand même. Hein. Et là, putain, la vache, même eux arrivaient à te passer par-dessus. Waouh, wow, au secours. Ouais, non, mais de toute façon, tiens, l'histoire de survivalisme, truc comme ça. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Hein. Donc, oui, ils ont raison hein, de penser un petit peu à ça, hein, dans ce sens-là. Et c'est vrai que là, en ce moment, les attaques informatiques, ça y va. Et je vois, moi, là, dernièrement, le forum que j'ai, moi, il est hébergé là sur Forum Actif, et il y a quand même eu une attaque. Voilà. Hein. C'est tombé carrément il n'y a pas longtemps, c'est la semaine dernière. Oui, c'est ça, oui. Donc tout ça s'est dit effectivement, hein, et de toute façon ils ont annoncé d'autres attaques, et ceci, cela, tout le monde s'attaque dans tous les sens. Hein. C'est une guerre numérique qui se joue en même temps en parallèle. Hein. Donc c'est sûr que si on veut pouvoir communiquer comme ça les uns les autres entre nous, il n'y a que la CBI. D'autres vont dire le téléphone, mais les téléphones ça fonctionne comment? Eh bien ça fonctionne aussi par internet et ainsi de suite. Même les téléphones portables, puisque quand tu atterris à un relais, eh bien, les relais, eux, ils passent par où après? Eh bien par le filaire. Donc internet, pour redispatcher sur d'autres relais, puis ainsi de suite, tout est lié dans tous les sens. Il y a un véritable maillage qui se fait dans tous les sens. Donc même de ce côté-là, ça peut se faire hacker et se retrouver sans téléphone. C'est clair. Hein. Ah oui, non, mais là, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, ok, tout à fait. Hein. Et puis là, écoute, c'est pas que je m'ennuie, ça sera mon dernier passage, parce que tu vois, hop, je suis rentré dans ma cour. Mais oui, sans oublier, hein, juste un exemple, moi en pro, on est équipé depuis quelques mois en téléphone TOIP, quoi, téléphone qui passe par Internet. Donc le jour où on n'a plus d'Internet, on n'a plus de fichiers, on n'a plus de téléphone. Bon, il nous reste une ligne d'urgence ou deux analogique, mais voilà, ça peut faire beaucoup de dégâts. Puis ben, toi, en ce qui concerne ton site, hein, ton forum, dis-moi, bon, c'est peut-être pas toi qui a été visé directement, mais l'hébergeur, quoi, il suffit d'attaquer l'hébergeur, tous les gens qui sont abonnés chez cet hébergeur vont être touchés, voilà. Donc on verra bien ce qui va arriver, mais en tout cas, on a ça, tu vois, on peut parler en voiture,
Ah ben c'est bien là, j'ai 1-1 de Ross. Tu vois, elle est vraiment taillée dans l'antenne très très basse. Ok, Dundee, mais écoute, je te laisse continuer. J'espère que tu vas trouver d'autres OM pour t'accompagner jusqu'au pro. Voilà, moi je vais couper le moteur et puis me rentrer à l'intérieur et activer toutes mes radios. Donc bonne fin de trajet, 73 à toi ainsi qu'aux éventuels écouteurs et puis à très bientôt sur les ondes. Ok, je sors du pro, là, je rentre au cuirard. Ouais, pour l'antenne, visiblement, elle est trop longue, là, ton antenne. Ok, merci pour ce petit QSO, là, ça a été, c'était vraiment génial, cette surprise. J'adore les effets de surprise comme ça. Ah ouais, c'est ça qui donne envie, justement, de continuer à la CB et trucs comme ça. Cette totale improvisation. Ok, merci à toi, bonne soirée, à plus. Demain, je fais les mêmes horaires. Donc ben on verra bien. Ça sera les aléas du hasard qui font qu'on s'attrapera ou pas en fréquence. Merci, ben y a plus. Ouais, ok, Denis, ben, moi ça sera plutôt vendredi, une demi-heure plus tôt, donc ça va être compliqué. Voilà, à moins que je sois au QRA et que je t'entende. Voilà, allez, bonne fin de route, la prudence, et à très bientôt. Ok, encore merci, bye. Alors, ce que j'étais en train de faire juste avant la vidéo, good morning USA, good morning USA, 73, Dundee 23, c'est tout ce que j'arrive à faire, c'est un début. Good morning USA, good morning 73, Dundee 23. One of my pal dog rooms there. Somebody wanted to know where you at. You're in Nova Scotia. He's up way up the top side of that Nova Scotia. Alright, 500, take care. I'm going to stand down, all right? Take care of me alone, California, take care of me. Vous voyez, c'est là où c'est total. Non, c'est une station locale. C'est là où c'est totalement incompréhensible. C'est que là, de ce côté-ci, il y a un peu de propague, mais c'est moyen. C'est pas la bousculade, loin de là. Bon, les QRM, c'est parce que là, j'ai des magasins à côté. Là, Ikea, Auchan, Lac, il y a tout ça à côté de moi. Et bien là, il n'y a rien. Ou presque rien, parce que là, je suis en train de rouler. Je ne vais pas courir le risque d'aller sur les zéros. En plus, les SUP, généralement, c'est en USB. Là, j'ai rebasculé en LSB. J'espère. Ouais, je suis en LSB. Et c'est de ce côté-ci qu'il y a le plus de monde. Et qu'il y a plus de propague, du coup, en plus. C'est quand même étonnant, ça, parce que bon, ça reste la bande 27 mégas, hein, de toute façon. Vache. Morning, everybody.
Ah, autant dire que là, on est quand même, on est que dans la montée du nouveau cycle de Propag, le nouveau cycle solaire 25. Alors qu'est-ce que ça va promettre quand on sera au maximum? Là, ce sera quelque chose. Hein. Pas s'écraser et d'être puissant ailleurs. Ouais. Il doit avoir de la grosse puissance derrière pour pas s'écraser. Là, ça s'entend. Là. I don't know if I'm going to be able to make a trip on this drive or not. Hey, 549, how you doing this morning? Go ahead. Man, I'm doing real good this morning on this end. I was surprised to hear you. Good to hear you, though, all the time. You know that. But I'm doing real good. The drive is working real fine for you there. 410? 410. Yeah, I was sitting here reading the mail on you. I was just sitting here reading the mail. I said, I'm going to take my beam around that way. I think you told me to point them all beat. And I pointed them up there and see if I could make a trip too. Ah ouais, putain la vache, comment il m'a moustaché celui de canot. Ouais. S1351, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors, côté circulation, il y a un peu de monde, mais ça roule. Bonne fin de journée à tous. Bon, ben, si quelqu'un a répondu, alors là, tellement de bruit. Il y a de la puissance pour moustacher comme ça partout. Ouais, ouais. C'est confirmé. Les moustaches trop pour que ce soit que la propague.
CQ, CQ, CQDX, à appel de 14 km, 33 01, opérateur Rémi, qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27 325. 27 325. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33 01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France sur la rocade de Bordeaux. Bon, ben là, c'est pas gagné. Un endroit où ça passe mal. Hein. C'est un peu encaissé là, comme on le voit là, à droite. Là. Vous voyez, sur les ondes, c'est, je vais dire une connerie là, c'est comme dans la vie, pourquoi aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'elle est déjà très bien verte chez soi? Ben là c'est pareil, pourquoi forcément aller se barrer sur les sup et sup-sup, hein, alors qu'on peut très bien tout faire du côté des 40 canaux homologués, ouais. C'est vrai que ça serait une bonne question à se poser, quoi. Parce que du coup, le monde, c'est de ce côté-ci qu'il est. Bon, après, quand la propague est là, il faut évidemment maîtriser la langue. Ça, c'est un autre problème. Et moi, je maîtrise que dalle. Sur cette fréquence, comme vous l'avez reconnu, on retrouve les USA, bien entendu. Et il y a aussi le Canada, hein, qui passe de ce côté-ci. Le Québec qui vient aussi dessus. De mémoire, c'est aussi la fréquence des Australiens. Après, d'autres pays viennent se greffer dessus également. Hein. L'Angleterre, oui, aussi, qui vient de se greffer dessus. L'Allemagne, qui vient y faire un tour.
ça passe même mieux en AM qu'en BLU. Le canal 19, le canal de la route, c'est vraiment en AM. Et qu'en AM. Et à l'échelle mondiale. Hein. Alors dans la vidéo, là, quelques secondes en arrière, là, on a croisé un camion qui est bizarre. Je sais pas, faudra faire un arrêt sur image. Il y a une espèce de gros rond là à la place de la cabine. C'est curieux. Ça faisait un petit peu soucoupe là, sur le soucoupe volante. Ah, je suis trois coups sur l'avant du camion. Faudra que je repasse la vidéo parce que c'est bizarre ce que j'ai vu là. Fréquence pour Dandy 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis le sud-ouest de France. Elle est décortiquée quelque chose là-dedans. C'est la puissance là. Bon, par contre, il y en a qui sont chanceux aussi, qui sont dans des bons couloirs de propague. Il n'y a pas que la puissance. Mais ça se reconnaît de suite, hein, enfin, ou presque. Quand il y en a qui font la course à la puissance, c'est un peu écrasé. Hein. Alors que d'autres, c'est parfaitement fluide. Hein.
lettre ou... Hop, Canada. Partout. Il y a une porteuse musicale. Il y en a un qui s'amuse. Thank you.
standing by. Here, 324.